حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما لاح في دوح حمام على الرسول العربي وأهله وأصحابه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر العقب. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Allah سبحانه وتعالى dit dans le sens du verset: Ô Yahya, prends le livre avec force, et nous lui avons donné la sagesse ou la prophétie alors qu'il était enfant, et de la douceur de notre part, et de la pureté, et il était quelqu'un de pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il était bon avec ses parents, et il n'était pas quelqu'un qui était un tyran ni un pécheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que la paix soit sur lui le jour où il est mort, le jour où il est venu en vie et le jour où il sera ressuscité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith: celui qui prend le chemin pour apprendre la science utile, la science religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Qu'Allah nous facilite le chemin vers le paradis. Mm-hmm. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hadi, c'est lui qui guide. Chacun d'entre nous qui sommes ici, on a le souci de la guider de nos enfants. Comment nos enfants ils vont être bien guidés? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide. Al-hadi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et c'est lui qui sait qui est dans le droit chemin. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Quelqu'un qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et quelqu'un qu'Allah l'égare, personne ne peut le guider. Fal hadi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le bien que chacun d'entre nous on veut dans cette vie, dans l'autre vie, en nous-mêmes, dans nos enfants, c'est seulement Allah qui l'a. Allah dit: biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Entre ses mains se trouve le bien, et lui il est capable de toutes choses. Et il dit: biyadihi al-khayr kullah. Tout le bien que tu espères, petit ou grand, dans un avenir proche ou lointain, dans toi, dans tes enfants, que ce soit matériel ou spirituel, n'importe quel bien que tu espères, Allah dit: c'est entre mes mains. Et ce n'est pas entre les mains ni d'un homme, ni d'une femme, ni d'un riche, ni d'un pauvre, ni d'un groupe. C'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala faqat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand Allah il a décidé de te donner ce bien-là, personne ne peut l'empêcher. Et si Allah il le retient, personne ne peut le prendre de force. Allahumma, la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana't, wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Oh Allah, personne ne peut empêcher ce que tu as donné. Et personne ne peut prendre ce que tu as gardé. Et celui qui a de l'influence, de la réputation, de la richesse, ça ne sert rien, à rien auprès de toi, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il attend, que ce soit des parents et des élèves, c'est que chacun d'entre eux, il travaille sa foi avec lui. De chercher à le connaître. De chercher à le connaître comme lui, il est. Pas comme nous, on veut qu'il soit. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإذا سألني أتيته وإذا آتاني يمشي أتيته هرولا. الله سبحانه وتعالى dit: comme tu penses du bien de moi, tu trouveras ce bien auprès de moi. Mes très chers frères, Allah سبحانه وتعالى, mes très chères sœurs, Allah سبحانه وتعالى, c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créé avec un grand objectif. Et il possède toutes choses. Il possède toutes choses. La vie, elle est entre ses mains. La mort, elle est entre ses mains. La richesse, elle est entre ses mains. La pauvreté, elle est entre ses mains. Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut enseigner à quelqu'un, même s'il n'a pas les causes de l'enseignement. Ibrahim, alayhi salatu wa salam, il vivait dans une ville où il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas de messager.
Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enrichir même s'il n'y a pas les causes d'enrichissement. Hajar, elle est dans le désert. Il n'y a rien autour d'elle que du sable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle a enrichi. Enfin, l'objectif de ces paroles, c'est qu'on sache que tout ce qu'on espère, ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la première des choses que nous, on doit faire, qu'on doit travailler dessus, c'est niya, l'intention. L'intention. Parce que l'intention que tu vas avoir, elle va avoir un effet sur la chose que tu fais. L'intention des parents sur leur enfant, il va avoir un effet sur l'enfant. L'intention de quelqu'un sur son travail, ça va avoir un effet sur le travail. Quelqu'un, il fabrique un vêtement avec une intention. Ben, ça va avoir un effet sur le vêtement. C'est pour ça que le prophète sallam dit, quand tu achètes ce vêtement, quand tu le mets, la première des choses que tu dis, Allahumma inni as'aluka khayra ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharri ma suni'a lahu. Oh Allah, je te demande le bien pour lequel le vêtement il a été fabriqué. Et je te demande de me protéger du mal pour lequel le vêtement il a été fabriqué. Parce que l'intention de celui qui l'a fabriqué, elle a un effet. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si quelqu'un il a préparé une nourriture pour faire la concurrence avec quelqu'un d'autre, il a dit, il ne faut pas manger de cette nourriture. Parce que niyya, il est à l'intérieur. L'intention, elle a un effet à l'intérieur. Maintenant, la question que nous, on doit se poser, c'est avec quelle intention on a fait des enfants? Avec quelle intention on a nos enfants? Est-ce qu'on a fait comme les oiseaux, ils font des enfants, c'est tout? Yahya, dont j'ai parlé là, ses parents, ils avaient une grande intention pour le fait d'avoir un enfant. C'était que cet enfant-là, il continue le travail et le bien des parents. Et Allah, il ne leur a pas donné directement. Pendant des années, ils avaient cette intention. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a donné qu'après que 50, 60 années soient passées. Et comme l'intention, elle est bonne, Allah, il les a aidés. Qu'est-ce qu'Allah, il a fait? Allah, il dit, d'abord, c'est moi qui vais choisir son prénom. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah, il dit, il s'appelle Yahya, c'est moi qui choisis le nom. Et Allah, il dit, il n'y a personne dans l'univers qui s'est déjà appelé comme ça. Ça, c'est premier des cadeaux. Deuxièmement, Allah dit, c'est moi qui vais vous aider dans l'éducation. Wahananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiya. Allah dit, c'est moi, je lui ai inspiré des bons caractères, des bons comportements. C'est Allah cependant qui l'a aidé. Par rapport à quoi? Par rapport à l'intention. Par rapport à quoi? Par rapport à l'intention. Et ensuite de cela, tout ce que toi tu veux trouver chez ton enfant quand il sera plus grand, il faut que tu commences dès qu'il est petit. Allah dit, wa ataynahu al-hukma sabiyya. Il était sabi. Vous savez c'est quoi sabi? Parlez mieux arabe que moi. Sabi, il est petit, c'est pas tifl. Ou là, non, c'est sabi, il était petit. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer. Tu regardes les personnes qui veulent que leur enfant devienne un pianiste ou un sportif. Et ils le montrent à la télé. À 3 ans, 4 ans, il a commencé. C'est vrai ou faux? Et nous, on dit, mazel, mazel srir, il est encore petit, khali, khali yargoud, khali yanam, laisse-le. Après, quand il est trop grand, on dit, ah, Willy, Willy, Willy. C'est trop tard. Enfin, si tu veux quelque chose à ton enfant, à partir du moment où il est petit, c'est après ça que tu vas le trouver quand il sera grand. Donc, je disais, niya, l'intention. C'est pour ça que si nous, on n'a pas eu d'intention, on a eu des mauvaises intentions. Des fois, le parent, il a l'intention, il dit, mon fils, Inch'Allah, il va devenir Mbappé. On va dire Mbappé. Alors, il le met à l'école, il le met à la madrasa, il n'y a rien qui rentre. Parce que normalement, c'est Mbappé qui doit rentrer. Ben, c'est lui, il a mis Mbappé dedans. Donc, c'est normal qu'il n'y a rien qui rentre. C'est quoi ton intention? Et là, madame aussi, elle a mis l'intention. Ma fille, quand elle va venir, je vais la maquiller, je vais faire les cheveux. Je vais lui mettre des robes que moi j'ai pas mises. Elle va briller, gars. C'est son niya. Après, quand la fille a grandi, elle a ça dans sa vie. Et sa maman elle dit, ma fille, qu'est-ce que tu penses du hijab? Elle dit, ma quinche hijab. Hijab, non. Moi, il faut que les cheveux soient au vent, à l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a une niya. Regardez, Hanan. Hanan, elle a mis l'intention. Elle était enceinte, elle a dit, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samil alim.
Elle a dit, c'est la mère de Mariam, elle a dit, oh Allah, ce qu'il y a dans mon ventre là, c'est une sadaqa pour toi, accepte-le de moi, c'est toi qui entends et qui vois. Elle avait une niya, que ce qu'il y a dans mon ventre là, c'est sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Quand nous on donne des couscous, ou du tchep, ou de l'eau, elle donne un enfant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a donné ce qu'il y a de plus cher, elle rali wa nafis, elle a dit ça c'est pour Allah. Qu'est-ce qu'Allah y répond? Allah lui répond. Il dit فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Allahu Akbar. Allah dit, je l'ai accepté. Tu me fais cadeau? Hanan, tu me fais cadeau? Allah dit, moi je l'ai accepté d'une très belle acceptation. Et c'est moi qui vais la faire pousser et la grandir d'une très belle façon. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'il faut que nous, on confie nos enfants à Allah. Il faut que notre intention, ce soit pour Allah. Si c'est pour nous-mêmes, on a perdu. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Ya abdi, in wajadtani, wajadta kulla shay. Wa in faqadtani, faqadta kulla shay. Wa ana khayrun laka min kulli shay. Oh mon serviteur, si tu m'as trouvé, tu as tout trouvé. Et si tu m'as perdu, tu as tout perdu. Et moi, je suis meilleur pour toi que toute chose. Donc d'abord, niya. Alors Allah, il a accepté Hanan. Il a accepté son cadeau. Il a sorti Mariam. Et quand Mariam elle est sortie, la maman elle a dit, ah, moi j'espérais un garçon. Elle a dit, t'inquiète pas, la fille elle est sortie, ça va être la meilleure fille du monde. Et après cette fille, je vais sortir un garçon, ça va être le meilleur des prophètes de son époque. Enfin, c'est comme ça que nous on doit changer l'intention. Si on n'avait pas d'intention sur nos enfants, ou on avait mauvaise intention, dès maintenant on change. Chacun met l'intention, ya Rab, comment mon enfant il va être la cause que tu sois satisfait de moi. Et comment cet enfant-là, il va être la cause de bien dans le monde. Est-ce qu'on est prêt à changer les intentions? Inch'Allah. Chacun met dès maintenant, rayer niya. Comment il change les intentions? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, wa kaffalaha Zakaria. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Mariam, c'est Zakaria, il s'est occupé de son éducation. Bon professeur. Alors, avant d'arriver au professeur, la chose que nous, on doit mettre devant nous, c'est que l'enfant, il est resté avec nous 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Qu'est-ce que nous, on a fait? Qu'est-ce que nous, on a fait? Avant qu'Allah, au jour du jugement, il interroge le professeur, comment tu t'es comporté avec les élèves, Allah va demander aux parents, qu'est-ce que vous, vous avez fait? Parce que la madrasa, ce n'est pas une machine à laver. Tu ramènes l'enfant, tu le poses, et tu dis, transformez-le. Je reviens après quand il est transformé. Il faut que vous fassiez le travail que moi, je n'ai pas fait. Ce n'est pas ça la madrasa. La première madrasa, c'est les parents. La première madrasa, c'est qui? C'est les parents. Et l'enfant, quand il est petit, de sa naissance jusqu'à qu'il arrive vers la puberté, la priorité dans sa tête, c'est de jouer. Il veut jouer. Alors même quand tu vas lui enseigner, il faut que tu lui enseignes avec le jeu. Tu lui enseignes, mais tu lui enseignes avec le jeu. Et après, quand il arrive à 7 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allimuhumus salat » Enseignez-leur la prière de 7 ans à 10 ans. Mais ça veut dire quoi? Enseignez-leur la prière, ça veut dire que tu dois lui apprendre les ablutions. S'il a oublié quelque chose dans les ablutions, il doit savoir comment le rattraper. C'est vrai ou faux? Il doit savoir s'il a oublié quelque chose dans la prière, comment le rattraper? Il doit savoir réciter la sourate comme il faut. Il doit savoir quelles sont les différentes prières. Quel est le nom de telle prière? Combien de rakat? La prière sur les morts? La prière pour la pluie? Il doit connaître. Donc ça, normalement, c'est toi qui dois lui apprendre. Normalement, c'est toi qui dois lui apprendre. Entre 7 ans et 10 ans, tu as 3 ans pour lui transmettre tous les jours. C'est pour ça qu'un des grands conseils que je donne aux parents, c'est qu'il faut passer du temps avec les enfants. Aujourd'hui, on est dans Dunya, Dar al-Ghurur. On ne passe plus de temps avec nos enfants. Hein? Le papa part au travail. Quand tu reviens, Khalini tranquille, je suis fatigué. La maman, elle est enfermée dans la cuisine. Quand elle n'est pas dans la cuisine, sur WhatsApp avec la famille. Alors ça va, au bled, ça va. Et les enfants, ils sont sur les écrans. Comme ça, ça ne dérange pas les parents. Donc, il n'y a pas de transmission qui se fait.
Tu demandes à la fille, tu sais faire les douaises et les merguez et les briques? Elle dit non, c'est maman qui sait le faire. Moi, je peux juste aller faire les courses. C'est maman qui sait faire ça. Il n'y a pas de transmission. Tu demandes à l'enfant, et ton père, quand il avait 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Il dit, Allahu alam. Moi, je ne connais pas papa, il a fait quoi dans sa vie? N'y a pas de transmission. C'est des étrangers. C'est pour ça qu'il faut passer du temps avec les enfants. Il faut passer du temps à discuter avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils pensent. Ce n'est pas chacun, il est de son côté. Comme ils ont dit, dans une famille, un jour, l'électricité, elle a été coupée. Alors, l'autre, il n'est plus sur la télé, l'autre, il n'est plus sur l'écran, l'autre, elle n'est plus au téléphone. Alors, ils ont fait la connaissance les uns des autres. Ah, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Comment? Ils ont commencé à se connaître s'il n'y a pas l'électricité, s'il n'y a pas le Wi-Fi. C'est pour ça qu'il faut passer du temps avec les enfants. Ça, c'est un des conseils. Maintenant, je disais, la première école, c'est les parents. Les professeurs, eux, ils viennent mu'awana. Ils viennent aider. Ils viennent aider. Mais les premières personnes, c'est qui? C'est vous. C'est pour ça que vous aussi, vous devez avoir le souci. Comment je vais avoir pour pouvoir donner? Comment je vais avoir pour pouvoir donner? Comment je vais avoir salat comme il faut? Comme ça, je donne salat comme il faut. Comment je vais avancer dans mes connaissances de la religion pour pouvoir donner? Eux, ce qu'ils font, c'est mu'awana, c'est du plus. C'est comme quelqu'un, il a un jardin. Il a un jardin et quelqu'un, il a dit, demain, je viens t'aider. Il est venu, demain, il l'a aidé. Et il dit, après-demain, je viens t'aider. Mais après-demain, il n'est pas venu. Celui qui a le jardin là, il arrête de travailler? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, il n'est pas venu, j'arrête de travailler. Non, il va continuer à travailler dans son jardin. C'est ça ou pas? Enfin, de la même manière, on les ramène à la madrassa, mais il faut que nous, on fasse le grand travail à la maison et il faut qu'on les suit. Il faut qu'on les suit. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Il faut partir à l'heure. Il faut pas traîner, il faut arriver à l'heure. Il faut pas rater le jour de l'école. Et il faut que nous, on regarde. Aujourd'hui, pour l'école académique, on a le souci. Si l'enfant ne veut pas se réveiller, on va le réveiller. On va le tirer la couette. Mais pour la salat, est-ce que tu lui tires la couette? Est-ce que tu as le souci pour la madrassa? Tu dis, ah, il est un peu malade. Il est un peu malade aujourd'hui pour la madrassa, mais demain à l'école, il faut aller à l'école. C'est pas comme ça que ça se passe. On est d'accord ou pas? C'est pour ça que chacun d'entre nous doit mettre devant lui. Comment mes enfants ils vont devenir des gens qui vont aider le dîn? Et pour aider le dîn, deux choses. Premièrement, une bonne formation dans le dîn. Qu'ils connaissent qu'est-ce qu'Allah il attend de nous. Que leur foi elle soit forte. Que leur pratique elle soit forte. Nous, on veut que nos enfants ils connaissent dîn. Que quelqu'un ne peut pas jouer avec eux. Il y avait des enfants dans le bus, dans le train plutôt, dans le métro. Ils étaient en train de jurer sur le Coran de la Mecque, sur le Coran de la Mecque. Une Française qui a étudié un peu, elle a dit, mais les jeunes, là, le Coran, c'est pas que à la Mecque. Hein. Vous savez où c'est descendu? Ils ont dit, ah non, nous, on jure comme ça, on ne connaît pas. Elle a dit, non, elle est descendue à la Mecque, elle est descendue à Médine, mais c'est pas que à la Mecque. Nous, on veut que nos enfants, ils connaissent leur dîn. Et donc ça, c'est un travail qui est constant. Wallahi, vous avez peu de temps. Arrivé à un moment, l'enfant, ça y est, il va commencer à s'éloigner. Il va partir pour des formations, partir pour le travail, partir pour... Et là, ce sera terminé. Là, à ce moment-là, il faudra que tu deviennes son ami. À partir de 14 ans, 15 ans, l'enfant, il se voit grand. Il pense qu'il a compris les choses. Il veut plus que tu le regardes avec un regard d'enfant. Il veut que tu le regardes avec un regard d'adulte. Arrivé à ce moment-là, il faut que tu deviennes son ami. Tu parles avec lui. Il va te dire des choses qui vont pas te plaire. Il faut pas le montrer. Il va dire, ah, c'est comme ça. Et vous avez fait comme ça. Il dit, oui, on a fait tous comme ça. Et toi, tu lui donnes le conseil après. Si tu lui donnes le conseil directement, il va dire, voilà. Moi, ma mère ou mon père, c'est que haram, mamnoua, c'est pas bien, c'est interdit. Non, tu l'écoutes avec la bonne oreille et t'attends le bon moment pour lui donner le conseil.
Arrivé à un moment, l'enfant, ça y est, il change. Il ne veut plus que tu le regardes comme un enfant. Donc les moments que vous avez maintenant là, ils sont très chers. Ils sont très très chers. Il faut passer le maximum de temps avec eux. Daoud, alayhi salatu wassalam, il avait son fils Suleyman, alayhi salatu wassalam. Wa wahabana li Daoud à Suleyman, ni'am al-abd, innahu awwab. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons donné à Daoud Suleyman, quel bon serviteur. Toujours il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient toujours ensemble. Comme ils étaient toujours ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il a appris le niveau du père et il a rajouté lui avec, dans la sagesse. Il a appris ce que le père, il avait et il a rajouté. Et c'est ça que nous, on veut de nos enfants. On ne veut pas que nos enfants, nous, on est ici et nos enfants, ils commencent ici. On veut que tout ce qu'on connaît, eux, ils le connaissent et qu'ils rajoutent avec. Alors, Daoud et Suleyman, toujours ensemble, le père et le fils. Et le fils, il a compris des choses. Un jour, il y a deux femmes. Elles sont venues voir Daoud, alayhi salam. Une dame qui était âgée et une dame qui était jeune. La jeune dame, elle a dit, nous deux, on était en train de laver les vêtements et nous deux, on a posé notre bébé à côté. Et il y a un loup qui est venu, il a pris le bébé de l'un d'entre nous. La dame, elle a dit, ça, c'est mon bébé. Et l'autre dame, elle a dit, non, ça, c'est mon bébé. Et les deux, ils ne sont pas d'accord. Daoud, qu'est-ce que tu en penses? Daoud, alayhi salam, l'a dit, moi, mon avis, la vieille dame, là, c'est elle, on lui donne le bébé. Parce qu'il s'est peut-être dit, comme elle est âgée, peut-être elle n'arrive plus à avoir des enfants. Donc, ce n'est pas grave, on donne à la vieille dame. La jeune fille, elle n'était pas d'accord. Elle a dit, non, je ne suis pas d'accord comme ça. La vieille dame, elle a dit, on peut aller voir Suleyman aussi. Il n'y a pas de problème. Ils sont partis voir Suleyman. Ils lui ont expliqué la situation. Nous deux, on a un bébé. Le loup, il est venu, il a pris un bébé. Il reste un seul bébé. C'est à qui? Suleyman, alayhi salam, l'a dit, c'est facile. Il ne faut pas vous bagarrer. Ramenez-moi un couteau, je vais partager l'enfant pour vous deux. Un morceau, un morceau. La jeune fille, la jeune dame, elle a dit, non, laisse-lui l'enfant. Après, Suleyman l'a dit, tu lui laisses l'enfant? Elle a dit, oui, laisse-lui l'enfant. Suleyman l'a dit, ben, c'est pour toi le bébé. C'est pour toi le bébé. C'est-à-dire que tu as eu plus de rahma dans ton cœur pour l'enfant que l'autre. Si c'est vraiment son enfant, elle n'aurait pas accepté qu'on coupe son enfant en deux. C'est vrai ou faux? Et même si ce n'est pas son enfant, si une personne n'a pas de rahma, c'est toi qui mérites. Donc dans tous les cas, c'est toi qui mérites. Et qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Wafahamnaha Suleyman. Elle a dit, on a fait comprendre à Suleyman la bonne décision à prendre. La bonne décision à prendre. Et ça, c'est par la fréquentation. Chacun d'entre vous, vous avez des expériences. Chacun d'entre vous, vous connaissez des choses. Wallah, il ne faut pas regarder. Moi, je sais lire. Moi, je ne sais pas lire. Moi, je parle bien le français. Je ne parle pas bien. Non. Tu as vécu. Tu connais des choses. Tu as vécu dans le dunya. Tu as des tajribas. Tu as des expériences. Ça, tout ça, il faut le donner à l'enfant. Il faut le donner à l'enfant. Parlez à vos enfants avec la langue de leur pays. Qu'ils n'arrivent pas au bled. Et il regarde à droite, à gauche, et les gens, il y a d'hakoun alayhim. Et lui, il ne parle même pas le tamoul, il ne parle pas le shleha, ou il ne parle pas le derija, ou là, il ne parle pas le bambara, ou là, le malinke, tout ce que vous voulez. Hein? Parlez-leur dans leur langue. Pourquoi? À l'école, il va apprendre le français à la kulli hal. C'est vrai ou faux? Il va l'apprendre le français. Mais toi, tu es là, tu ne parles pas bien français, et encore, tu lui parles français. Parle-lui en derija, parle-lui en turc, parle-lui en ce que tu veux. Parle-lui dans la langue. Ça va lui faire deux pays. Il retourne au bled, il est mzien, allez. Il n'y a pas de souci. Il parle comme il faut. Et donc, comme j'ai dit, il faut suivre les enfants. Il faut les suivre. Pas juste on les dépose, on les récupère. Il faut les suivre. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous n'avez pas pu faire, Allah, subhanahu wa ta'ala, vous donne la récompense dans vos enfants. Toi, tu n'as pas pu apprendre le Coran. Chaque fois que ton enfant, il apprend, c'est écrit dans ton livre. Telle sourate, elle a été apprise par madame telle et monsieur tel. Allahu Akbar. Nabi sallam, il dit, Ad-da'il wal al-khayr kafa'ilihi. Celui qui montre la voie d'un bien, c'est comme si c'est lui-même qui l'a fait. Chaque fois que ton enfant, il apprend quelque chose, c'est écrit dans ton livre aussi.
Au jour du jugement, tu vas trouver des hasanats. Tu vas dire, mais moi, je n'ai pas fait tout ça. Ils vont dire, ça, c'est pour toi et ça, c'est pour ton enfant aussi. Le prophète a dit, le meilleur cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est une bonne éducation. Ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas les jouets, ce n'est pas les bonbons, c'est une bonne éducation. Et le Nabi Sallam, il dit au jour du jugement, les gens, ils n'ont pas de vêtements. Et il y a des gens, les anges vont venir, ils vont dire, habille-toi, habille-toi, habille-toi. Avec des vêtements, le prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam l'a dit, si tous les gens de Dunya, ils se réunissent pour payer ce vêtement, ils ne peuvent pas le payer. Et après, on leur donne des vêtements. Au père et à la mère, et on leur met tâche, une couronne sur la tête. Et ils vont regarder, ils vont dire, Lima kusina hada, pourquoi on nous a habillés comme ça? Ils vont dire, Li hifzi waladikum al-Qur'an, parce que votre enfant, il a appris le Coran. Le prophète s'est dit, ça, c'est ce qu'Allah va donner aux parents. Alors imaginez ce qu'Allah va donner à l'enfant. Imaginez ce que Allah va donner à l'enfant. L'enfant, il sort de sa tombe, il sort du tourab, vite. Il essaye de respirer. Il ouvre les yeux. Il voit des gens qui sont en train de sortir à côté de lui. Des hommes qui sortent de la terre. Des femmes qui sortent de la terre. Des enfants qui sortent de la terre. Des animaux qui sortent de la terre. Et il voit un vieux venir devant lui. Et ce vieux lui dit, Ata'arifuni, tu me connais? Il lui dit, La wallah. Il dit, Allah ta'arifuni, tu me reconnais pas? Il dit, Non wallah, je ne te connais pas. Il dit, Ana sahibuka al-Qur'an. Dis-moi, je suis ton compagnon, le Coran. Compagnon, le Coran. C'est-à-dire que dans ce dunya-là, le Coran, il est toujours proche de lui. Toujours muraja'a, il révise. Il était toujours ami avec le Coran. Alors le Coran, il vient dans une apparence et lui dit, moi, je suis ton compagnon. Et chaque personne qui fait le commerce, il veut le bénéfice dans son commerce. Aujourd'hui, toi, tu vas obtenir tous les bénéfices. Viens avec moi. Il marche et il le fait passer par tout le monde, devant tout le monde. Allahu Akbar. Quel sharaf c'est ça. Les gens, ils font la queue. Vous avez vu à la poste quand les gens, ils font la queue? Et quelqu'un, il vient, il passe devant. C'est un honneur ou c'est pas un honneur? On dit, monsieur Attel, venez, venez-vous. Ou madame Attel, venez. Ou à l'aéroport, dites-vous, vous passez VIP. Ça fait plaisir ou ça fait pas plaisir? Au jour du jugement, ça fera encore plus plaisir. Il y a des milliards de gens qui attendent et lui, il passe devant. Et le Coran, il le ramène devant Allah directement. Il dit, Ya Allah, ikrimhu. Oh Allah, sois généreux avec lui. Allah il dit, pardonne-lui ses péchés. Ya Rab, zidhu. Oh Allah, rajoute-lui. Allah il dit, donnez-lui taj al-karama. Une couronne avec une attestation. Il ouvre l'attestation, c'est écrit, Anta min ashabil jannah. Tu es parmi les gens du paradis. Après, le Coran ne s'arrête pas. Il dit, Allah, rajoute-lui. Allah dit, avancez-le vers le paradis. Et lui dit, Ya Allah, avant que je pars, permets-moi de demander pour 10 personnes de ma famille qui doivent rentrer en enfer, je fais shafa'a pour eux pour qu'ils rentrent au paradis. Allah dit, choisis qui tu veux. Nabi Sallam dit, Hafidhul Coran, celui qui a appris le Coran, il peut faire rentrer avec lui 10 personnes qui devaient rentrer en enfer de sa famille, il peut les faire rentrer au paradis avec lui. Shafa'at al-Qur'an, barakat al-Qur'an. Le prophète a dit le Qur'an, mahilun musaddakun. C'est quelque chose qu'Allah lui donne beaucoup de valeur. Donc il va choisir. Si c'était papa ou maman, c'est eux la priorité. Il dit les deux là. Si c'était les frères, les deux là. Et c'est ce jour-là on va voir la valeur du Qur'an. La valeur du Qur'an. Et subhanallah, dans Dunya, avant que je revienne dans Dunya, je termine dans l'Akhirah. Quand il aura fait choisir les personnes, après il avance vers le paradis. Quand il arrive devant le paradis, on lui change son corps. Parce que la saleté, elle ne peut pas entrer au paradis. Son corps, il grandit. Il devient tellement beau, tellement fort. Parce que tellement qu'il y a des plaisirs et des activités dans le paradis, il faut qu'il soit prêt. Dans le paradis, les gens, ils volent à toute vitesse. Si tu vas avec ce corps-là, ça ne peut pas rentrer là-bas. Alors il lui faut un corps bien solide pour le paradis. Et quand il arrive, les gens du paradis, les anges, ils lui disent, Iqra, wartaqi, warattil kama kunta turattilu fi dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ça veut dire quoi? Les anges vont dire, récite, commence à réciter comme tu récitais dans dunya. Et chaque fois que tu récites, tu vas monter dans le paradis et ta place, ce sera au dernier verset que tu vas lire.
Enfin, c'est pour ça, c'est pas juste t'as appris le Coran, il faut le réviser. Et ça, c'est le travail des parents. Ça, c'est le travail des parents. Avec hikma, avec gentillesse, avec régularité. Il faut pas lâcher. Il faut qu'il révise. Comme ça, il garde ce qu'il a appris. Et dans Dunya, un enfant qui a appris le Coran, parce qu'il faut savoir que le cerveau, c'est un muscle. Comme n'importe quel muscle. Plus tu le travailles, et plus il travaille bien. Le cerveau, quand tu lui as appris le Coran, après, il peut apprendre n'importe quelle chose. Par la bénédiction du Coran, celui qui mémorise le Coran, il est plus comme n'importe quelle personne. Il prend une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son cerveau, après, il est apte à apprendre davantage. Un enfant qui a appris le Coran, facile pour lui de devenir docteur. Il n'y a pas un mois, un des enfants de chez nous qui a appris le Coran, il est devenu médecin. Il a terminé ses 8 ou 9 années de médecine. Un enfant qui a appris le Coran, il peut devenir ingénieur. Facile pour lui. Parce que le cerveau, il a été travaillé. Et c'est maintenant qu'il faut le travailler, pendant qu'ils sont jeunes. Pendant qu'ils sont jeunes, c'est facile à tordre. Tu le mets dans la forme que tu veux. Mais quand il prend de l'âge, ça devient dur. Tu veux le tordre, ça y est, ça passe plus. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Faut que tu le tords bien dans le sens qu'il faut, dans le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, quand il va et dans l'école, on veut qu'il devienne le meilleur aussi dans l'école. C'est-à-dire que nous, les parents, leurs enfants, ils doivent leur apprendre à chercher le top. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Quand quelqu'un il fait quelque chose, alayhi an yutqinu, il doit le faire avec perfection. Donc dans l'école aussi, on veut qu'il soit numéro un. On veut qu'il soit numéro un, qu'il prenne les plus hauts diplômes, les plus hauts salaires, les plus grandes sommes d'argent. Comme ça, c'est chez les musulmans. Il peut les utiliser pour faire le bien. Il peut ouvrir une piscine où les musulmans peuvent aller en burkini. Il peut ouvrir un fonds d'investissement pour ceux qui ont de l'argent à investir. Il peut faire des assurances pour les musulmans où il n'y a pas de riba. Il peut faire des choses. Donc, dans Dunia aussi, on veut qu'il soit au top. Et il y a des pays où les musulmans, ils ont eu les choses là, comme ça. Allah, il m'a permis, j'ai visité l'Angleterre. En Angleterre, subhanallah, ils ont la madrasa, vous savez quand? Le matin. À Soubh, avant l'école, ils viennent à la mosquée, ils font 1 h 30 de madrasa. Après, ils rentrent à la maison, ils prennent le petit déjeuner. Après, ils partent à l'école. Le soir, quand ils ont fini l'école, ils reviennent à la madrasa, ils font aussi un temps. Au bout de quelques années, hafizul Qur'an. Ils ont mémorisé le Qur'an. J'ai vu de mes yeux, on m'a pas raconté, j'ai vu de mes yeux. Ils m'ont dit dans notre quartier là, dans chaque maison, il y a au moins 2 personnes qui ont appris le Coran. On est parti visiter. On toque. Vous avez combien de Hufaz le Coran ici? Il dit, j'ai ma fille et j'ai mon garçon. Vous avez combien ici? Il dit, j'ai 2 filles qui ont appris, un garçon. Dans chaque maison, Hafiz le Coran. À la mosquée, le premier rang, premier saf, que des Hufaz le Coran. T'as pas appris le Coran? S'il te plaît, mets-toi juste derrière. Si l'imam il se trompe. Comment toi tu vas le corriger? Ah. Si lui il est dans le baqara et qu'il doit reculer parce qu'il a du mal à respirer, il va te ramener devant. Toi tu vas réciter quoi? Inna atayna al-kawthar, de baqara jusqu'à al-kawthar. Enfin, dans chaque maison, 2 hufaz al-Qur'an. Parce qu'ils ont fourni l'effort. Et ça ne s'arrête pas là. Et après, dans les études, Allahu Akbar, c'est des têtes. Que ingénieurs. Médecin, pétrole, le maire de Londres, c'est-à-dire comme je dis le maire de Paris, le maire de Londres, c'est un musulman. Le maire de Londres, c'est quoi? C'est un musulman. Parce qu'ils ont dîn fort, avec le dîn fort, le Coran fort, Allah met la baraka pour la suite. La baraka, elle vient pas à l'épicerie ou là, elle vient comme ça, avec le Coran. Nabi sallam dit yarfa'illahu bihadhal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Avec ce livre, le Coran, Allah va élever des gens et par rapport à ce livre, Allah va rabaisser des gens. Ceux qui ont donné la priorité au Coran, Allah va les élever. En Angleterre, c'est comme ça. On a fait un rassemblement dans un grand endroit, vraiment immense,
Celui qui a pris cet endroit-là, c'est juste un musulman. Il avait payé combien? 700 000 euros pour cet endroit, ce rassemblement où il y avait des milliers de personnes. C'est pas la même chose qu'ici, là. Je suis parti à l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est la France aussi. Tu veux voyager là-bas? 9 heures de voyage avec ta pièce d'identité française. Ça suffit. Pareil là-bas, les musulmans, la madrassa le matin, la madrassa le soir. Et à l'école, daï daï. Ça chôme pas. On ne veut pas que tous nos enfants ils deviennent Uber Eats. Uber Eats, c'est bien aussi. On a besoin de Uber Eats. Mais on ne veut pas que tous les enfants ils deviennent Uber Eats. Ou c'est pas comme ça? On est d'accord ou pas? Hein? C'est pas la honte pour les Uber Eats. On a besoin d'eux. Mais on veut que nos enfants ils deviennent quelqu'un. On veut que la France, ça change un peu. Donc, à l'île de la Réunion, les mosquées, tellement grandes. Et quand j'ai demandé comment vous faites pour construire les mosquées comme ça, ils disent, nous, chacun d'entre nous, Coran, Dunia aussi comme il faut, et on a mis l'argent dans les banques, on est parti à la banque, on a dit, écoutez, nous, on veut que vous nous prêtez l'argent pour construire la mosquée, mais sans intérêt. Si vous n'êtes pas d'accord, on dit à tous les musulmans qui ont l'argent chez vous là, on part dans une autre banque qui est d'accord. Ils ont dit non, non, ne vous inquiétez pas. Prêt accordé. Ne bougez pas, prêt accordé. Enfin, il faut que nous, on apporte quelque chose à ce dîn, il faut qu'on apporte quelque chose à ce dunya. Et enfin, ça commence par ici. La première pierre pour la construction de tout ce que j'ai dit là, c'est la madrasa. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allah wafiqna, Allah yathabbitna, Allah yarzuqna, Allah subhanahu wa ta'ala yurshidna. ويعلمنا مراشد أمورنا ويفقهنا في ديننا ويتقبل منا نيتنا وأعمالنا وتدريسنا ويتقبل منا كل ما صنعنا.